Après vous avoir présenté l'option RAID dans un reportage précédent, intéressons-nous aujourd'hui à l'option musique. En partenariat avec le Code d'Opale Rock Session et l'École de musique de Montreuil, nos élèves peuvent se découvrir de nouveaux talents. Donc notre objectif ici, c'est de former les élèves à une pratique de musique collective, tout en essayant de les intéresser complètement à la musique, dans le but qu'ils s'inscrivent plus tard à l'école de musique. J'ai déjà quelques élèves qui m'ont dit qu'ils souhaiteraient s'inscrire, sûrement en septembre prochain. J'ai même une élève qui veut acheter son instrument déjà. Et dans l'ensemble, les instruments à vent, ça leur plaît. Ils ont l'air d'aimer ça et ils me réclament même de pouvoir en faire plus. Donc des choses à voir par la suite pour monter vraiment un petit orchestre au sein même du collège, pourquoi pas. Depuis cette année, nous faisons l'option musique avec le collège de Saint-Austreberthe. Donc c'est notre président d'asso de Corse, Code d'Opale Rock Session, qui a contacté le directeur et qui se sont dit que ça serait sympa de faire une option musique. Voilà, on a pris contact, rendez-vous et ça a commencé cette année. Ils sont au nombre de 13. Il y a la moitié qui fait de la percussion avec moi et l'autre moitié qui fait des instruments avant. On échange au bout d'une demi-heure, comme ça tout le monde peut voir exactement la même chose.
Ici, on fait de la MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Le but, c'est d'utiliser l'outil informatique pour créer de la musique. Alors, dans la classe, on a commencé par utiliser des samples, c'est-à-dire des sons qui sont déjà enregistrés. Et le but, ça a été de déjà les manipuler, les assembler pour avoir commencé à créer des chansons. Et maintenant que les élèves sont un peu plus habitués au logiciel, on commence à créer nos propres rythmes et nos propres mélodies. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette classe, c'est de faire quelque chose qui soit très créatif et qui surtout ne nécessite aucune compétence du type solfège ou même pratique d'un instrument. On peut très bien faire de la MAO, découvrir les sonorités du logiciel sans connaître la musique, sans passer par l'étape d'apprentissage d'un instrument. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. En plus de ça, on utilise un logiciel qui est entièrement gratuit et qui est en ligne. Donc le but du jeu, c'est que les élèves peuvent chez eux après retrouver leurs créations, en créer d'autres. Ils ont un compte qui est attitré, donc c'est pour ça c'est bien. Ça nécessite aucun matériel, on va dire, onéreux. Il faut simplement un ordinateur et un peu de créativité. Voilà. We'll be right back.